Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'Annie Créa Passion. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la box Scrap by Nini du mois de novembre. Et puis, si ça vous intéresse, restez avec moi. Sinon, à la prochaine. Non, restez avec moi, vous allez voir, c'est une très jolie box. Donc, je vous rappelle les conditions de cette box qui est à 25 euros. Avec des frais de port de 4,50 euros, je crois. Et si vous commandez un article pour arriver à 30 euros, vous ne payez pas les frais de port. Donc, c'est toujours plus avantageux d'avoir un petit article supplémentaire que de payer des frais de port inutilement. Donc, voilà, c'est une box qui est vendue tous les mois. Pour ceux qui ont pris un abonnement, il y a un petit goodies en plus tous les mois. Pour les autres, vous pouvez très bien prendre une box en novembre, une en février, une. Vous aurez la même box que tout le monde. Bien sûr, c'est une box de scrap, je ne vous l'ai pas dit. Et si ça vous intéresse, eh bien restez, vous allez voir ce qu'on a dedans. Donc, le petit goodies. Regardez ça. On commence par le cadeau, hein. Des chiffres en bois pour le calendrier de l'Avent. Ils sont pas super. Là, c'est une belle, belle surprise. Je déballe en même temps que vous. Alors, on a de la corde pour les attacher. Et regardez-moi ça. Bon, je ne vais pas vous montrer les 24. Et regardez-moi. Voilà. Ils font 6 cm de haut sur 5 de large. Hein. Regardez comme ils sont super. Et à chaque fois, vous remarquerez qu'on a un petit motif différent. Là, on a un renne, une étoile, un cœur. Vous voyez, ça fait effet cuir hein, quand même, la forme. Un sapin. Voilà, nous avons ces motifs-là qui se répètent. Et bien sûr, sur... Je vais sortir sur 24 jours. Donc ça, c'est vraiment un très, très beau goodies pour les abonnés. Ensuite, nous avons... Alors, pour arriver aux 30 euros pour ne pas payer les frais de port, j'ai pris ceci... L'indispensable, 3 rouleaux de double face, le rouge que j'adore, qui colle vraiment par rapport à celui d'Action. Il n'y a pas photo. Donc j'en ai pris un en 3 mm. Un autre, tiens, j'en ai pris deux en 3 mm, ouais, sûrement. Un autre en 3 mm, j'avais peur de manquer. Alors il y en a 10 mètres. Ouais, c'est ça, j'en ai pris deux en 3 mm, il y en a 10 mètres, mais j'en consomme pas mal. Voilà, et j'en ai pris un autre de 6 mm, et là, nous en avons 25 mètres. Tout ça pour 5 euros. Pas trop mal au niveau des prix, hein. Alors ensuite, ce qui fait partie de la box, nous avons eu... Deux pattes d'encre aux couleurs traditionnelles de Noël, rouge et vert. Voilà, une bonne taille quand même. Nous avons eu un petit anneau. Il y en a peut-être un autre qui s'est glissé au fond. Je vous le retirerai parce que je déballe. Nous avons eu du ruban rouge et vert assorti au tampon. Alors, on va regarder combien il y en a. Pam pam. Il y en a. Un mètre. Quoique je suis bête parce que ça doit être écrit sur la petite feuille. Ruban rouge et vert, non, on n'a pas. Mais il y en a un bon mètre. Hein. Donc voilà, un mètre de ruban rouge et vert. Hop, je mets tout là en vrac. Nous avons du stone paper. Alors, le stone paper, si vous connaissez, moi je ne connais pas. Lavable à la machine.
Ah, ça doit être pour faire du transfert, je suppose. Voilà, on a une feuille. On a des die cuts en bois. Des beaux embellissements en bois. J'essaye de voir. Ruban. Il y a des anneaux, il y en a deux. Hein. L'autre est au fond de la boîte. Parce que j'ai la liste. Voilà. Donc vous voyez, on a des jolies bougies. C'est du balsa. Hein. Une étoile. Une belle tête de renne ou de cerf. Les petites cloches. Un joli sapin avec les étoiles dedans. Et un flocon de neige. Voilà pour les dates. Cut. Nous avons. Ah, il y en avait encore. Alors là, on a décrit Winter, Mary Winter. Winter, Mary. À mon avis, ouais, il s'est détaché. Merci les transporteurs. Voilà. Avec un flocon. Nous avons. Alors, du papier. Donc, vert assorti au ruban et au tampon. Donc, deux feuilles de vert, comme ceci, en format A4. Je vais vous montrer qu'il y en a bien deux. Voilà. Deux verres format A4, vraiment le vert Noël. Hein, dans la tradition, si on n'aime pas la tradition. Bon. De rouge. Et vous remarquerez, hein, assorti vraiment... Nous avons du papier aquarelle. Nous avons trois feuilles de papier aquarelle. Une, deux. Elle va venir la troisième, elle est là. Elles sont tellement épaisses que je croyais qu'il fallait les dédoubler. Donc trois feuilles de papier aquarelle, je peux vous dire qu'il y a de l'épaisseur. Hein. Pas loin du 300 grammes. Nous avons trois feuilles A4. Oui, c'est de l'A4 aussi, l'aquarelle. Trois feuilles A4 blanches du 250 grammes, je dirais. Voilà. Le deuxième anneau est là. Nous avons du papier en 15-15. Alors, je n'ai pas mes lunettes. Pas facile. Donc, je vous montre. Thème Noël, bien sûr. Hein. Voilà. Regardez, c'est joli. Hein. Regardez si c'est beau. Il y a de quoi faire de belles décos. Ça, c'est une imitation toile de jute. Regardez là. On peut découper. De l'autre côté... Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai, par exemple, j'adore ce côté-là, ben, je fais des photocopies. Hein. Comme ça, je les utilise. Des fois, je garde même les originaux pour refaire les photocopies. Regardez. Avec un effet. Des petites images à découper. Et pareil derrière. Très joli papier et c'est du... Sans mes lunettes, je suis vraiment embêtée. C'est du Mintey. Voilà, 6 feuilles Mintey. Nous avons un lot de tampons. Sympa! Il y a un petit lutin. Le poteau avec les cadeaux pour l'entrée du pôle Nord. Des petits panneaux. Ah, c'est sympa. Là, une petite branche de houx. Et là, le traîneau. Je regarde en effet miroir, donc c'est pas facile. Le traîneau du Père Noël avec un petit garçon et une petite fille. Ah, ils sont sympas. Hein, ouais, c'est ça, Pôle Nord, le petit lutin qui est accroché. Au... Ah, il y a deux feuilles de houx, vous voyez. Je ne voyais pas à l'envers. Et là, ce sont des tampons. On n'a pas la marque. Je vais vous le montrer, puisque moi, je ne vois pas sans mes lunettes. Il est beau, je dirais.
Voilà. On a des dies. Deux jolies dies de feuilles avec, je pense que ce sont des graines de houx. Pour faire des petites graines rouges. Donc de chez Craft & New. Une feuille de papier miroir doré. Ça va briller. Une boîte de flocons d'or. Voilà. Et pour finir, une planche d'image. Voilà, je vous les montre. Des belles choses. Et voilà pour cette box du mois de novembre. Et bien écoutez, moi je suis ravie. De toute façon, depuis que je la prends, j'ai dû commencer en en juillet ou en août. Oh, je sais plus. J'ai jamais été déçue. Franchement, il y a toujours des très belles choses. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, les tampons, les dies, ça sert pas qu'une fois. Hein, ça sert éternellement, c'est peut-être un grand mot, parce que bon, les dies, oui, les tampons, ça peut s'user. Bon, ça, bien sûr, c'est pas éternel, mais on n'est pas obligé de tout utiliser sur le moment. Le stone paper, eh bien, il faudra que je regarde comment on s'en sert. Les rubans, bon, on ne va sûrement pas utiliser un mètre de chaque, il en restera. Bon, ça, c'est mes petits achats pour remplacer les frais de port. Et les tampons, vous doutez bien qu'on ne va pas les user en une fois. Alors, l'autre principe de cette box, soit vous créez à votre idée, bien sûr, ce que vous voulez. Soit, quand vous l'avez acheté, vous avez accès à un groupe privé où des animatrices, démonstratrices font des réalisations. Alors, chacune dans leur style. Hein, et ça vous donne plein d'idées. Alors, par exemple, il y en a qui vont faire un livre, il y en a qui vont faire un album, il y en a qui vont faire une boîte. Et ça vous donne des idées si vous n'avez pas d'inspiration. Sinon, bien entendu, vous faites ce que vous voulez vous-même. Voilà donc pour la présentation de cette box Scrap Nini du mois de novembre 2021. Eh bien, voilà. Alors avec, vous voyez, on a la liste de ce qu'il y a dedans. Eh bien, franchement, je suis ravie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me demander le lien pour en prendre une ou au besoin vous abonner. Vous payez au coup par coup, de toute façon. Hein, vous prenez un abonnement 6 mois, vous payez tous les mois. On ne vous fait pas payer 6 mois d'un coup ni rien. Non, non, du tout. Fanny qui s'en occupe est une fille adorable qui se coupe en 4 pour rendre service. Moi, j'ai eu des problèmes avec un point relais. Elle s'est démenée. Elle a remuer ciel et terre pour me dépanner. Enfin, vraiment, elle est vraiment adorable. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, demandez-moi le lien pour la box. Et puis, sinon, eh bien, je vous remercie tous d'être toujours présents. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y en avait des nouvelles, comme Lou Scrap, qui m'a beaucoup, beaucoup ému qu'elle vienne s'abonner à ma chaîne. Ça m'a fait vraiment plaisir. Parce que, quand même, c'est... Voilà, c'est Lou Scrap, quoi. Eh bien, voilà, je vous embrasse tous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.